Yo, les gars, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va super, j'ai la patate comme toujours, c'est Lost de KinesXL au micro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur la démo de FIFA 16, les gars. On va mettre le feu pour la sortie du jeu le 24 septembre. J'espère que vous serez tous là pour regarder mes nouvelles séries sur FIFA 16. Ça va être du lourd, les gars, on va packer dès le début et on va se donner à cœur joie. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les fonctionnalités. Drip sans contact, finition chirurgicale pour la Messi. On sera tous des Messi, les gars, dans le jeu. Fonctionnalité, agilité, défensif, unité défensif avec une nouvelle façon de défendre, les gars, super intéressant. Moi je vous le dis, franchement la défense ça va changer. Entraîneur FIFA, améliorez votre niveau. Voilà, pendant le match on aura des conseils pour jouer mieux avec des tactiques. Nous proposerons de jouer avec des touches, donc vraiment pratique pour les nouveaux joueurs de FIFA qui ne savent pas vraiment jouer et pour les filles qui veulent se mettre à FIFA, car maintenant il y a des équipes de filles. Voilà les gars, voilà, on a 12 équipes de filles, excusez-moi. Et voilà, nouvelle façon de jouer avec les filles. 12 équipes de filles, vraiment, ça va être super intéressant. On va prendre plaisir avec l'équipe de France et d'autres équipes de filles. On a surtout le mode de jeu qui va nous intéresser aujourd'hui. Le mode de jeu Fut Draft, les gars. Une nouvelle façon de jouer au mode le plus prisé de FIFA, les gars. Voilà, on va se faire plaisir. Ce Fut Draft, ça a l'air vraiment monstrueux comme mode de jeu. Alors voilà, on va se retrouver tout de suite pour ce mode de jeu. Donc voilà les gars, faut rester concentré hein, jusqu'au bout. Fut Draft, un nouveau mode dans FIFA Ultimate Team. Créer une équipe, désigner les titulaires de chaque poste parmi un choix de 5 joueurs. Créer votre meilleure équipe les gars. Donc voilà, on va choisir le dispositif pour commencer. Il n'y a pas tous les dispositifs, c'est pareil, c'est aléatoire. 5 dispositifs aléatoires proposés. On va prendre le 4-4-2 resserré. Voilà, je pense que c'est le plus envisageable. Choix des capitaines. On pourrait prendre Thuram, Courtois, Modric, compagnie. Modric, il est pas mal, mais je vais prendre Courtois, un bon gardien. Un des meilleurs gardiens du jeu, je pense, avec Neuer. Donc voilà, ça, je vous invite à faire pause et à bien lire. Pour ceux qui viennent de débuter dans FIFA, c'est comment réussir à avoir un bon collectif de sang. Voilà, on vous explique par rapport à nationalité au club, etc. les gars. Donc voilà, restez concentrés encore, comme je vous le dis. On va faire des défenseurs et après on passera à toute vitesse aux attaquants, c'est-à-dire que je vous passerai tout ça, et après pareil pour les remplaçants, histoire que vous n'ayez pas à chaque fois voir mes 5 choix, c'est pas compliqué, vous verrez le final, et puis de toute façon vous pouvez le faire vous-même sur la démo. Donc j'ai pris Skrtel pour avoir un trait vert, orange, excusez-moi, avec Courtois, et voilà, je vais prendre Mascherano, je pense, parce que j'aime bien ce joueur, malheureusement il n'y a pas de trait pour l'instant, on verra avec les remplaçants. Donc voilà, Mascherano, on se retrouve tout de suite avec les attaquants, vous pourrez voir comme ça mon équipe déjà pratiquement faite. Donc voilà les attaquants, je vais prendre Torres pour avoir un trait vert justement, avec le milieu de terrain. Et de l'autre côté, il y a Benteke qui est intéressant, Higuain, non, il n'y a pas de trait malheureusement. Et on a un milieu de Chelsea, vous voyez, mais on va prendre Alcaraz, car il aura un trait vert directement avec Torres, car il est espagnol, il joue dans le même championnat, donc ça fait deux traits orange qui donnent un trait vert. Donc voilà, on va faire des remplaçants tout de suite, comme ça, après, on fera les modifications, on aura l'équipe finale, les gars, que je vous présenterai en vite fait. Donc voilà l'équipe finale, les gars, j'ai rajouté Loïc Rémy, qui a un trait vert avec Moss et avec Ramirez. On a Luis Gustavo et Ramirez qui tiennent le milieu terrain. On a une défense 100% BBVA, les gars. Super défense. On a Ter Stegen au goal. Donc voilà, super équipe. On a Garcia à droite. Super équipe. Et Negredo en attaque à la place de Torres. On va choisir Bilic comme entraîneur Barclays Première Ligue, histoire de prendre un peu. Donc voilà, le résumé de ma draft. Ça, c'est une nouveauté aussi. Les meilleurs joueurs à chaque poste. On a 100 collectifs, 82 de notre équipe. On a 182 sur 200. C'est vraiment pas mal. 9 joueurs de Barclays Première Ligue, 11 de Liga BVA et 6 de joueurs de Chelsea, les gars. On passe tout de suite au match. Allez, on est chaud, les gars. Allez, restez connectés toujours. Suivez la suite. C'est parti. On va prendre. Allez, on va prendre Chelsea, Paris face à nous. Allez, on prend Paris. Voilà, les gars. On se retrouve maintenant pour le match. On est chaud. On a hâte d'en découdre et de voir ce que ce FIFA Draft donne en match. Si la vitesse du jeu est bien. Si les passes passent bien, si le milieu de terrain peut être bien pris, c'est la défense, c'est vraiment une nouvelle défense, une nouvelle façon de défendre avec une intelligence de jeu. Voilà, si l'attaque ça passe toujours aussi bien, si les tout droits sont toujours présents,
ou non. On espère que non, mais que ça courra toujours aussi vite. Donc voilà, vous pouvez voir que les commentateurs ont leurs photos maintenant. Super intéressant. Et ainsi, pour la présentation d'équipe, nous avons la présentation d'équipe d'Ultimate Team. Donc c'est cool avec les liens à entrer. Je sais pas si le joueur de l'équipe adverse verra notre équipe comme ça avec les traits et les liens, ainsi que les cartes boost, toki ou autres. Je ne sais pas. On verra bien dans la version finale. Donc voilà les gars, Zlatan Cavani pour le coup d'envoi. On est prêt, on est chaud. Et les gars, ça va être parti. Allez, on espère gagner ce match. Vraiment, on va jauger au début, façon première période, tranquillement. Et on verra après pendant la deuxième période. Donc voilà, David Luiz à la balle. Cavani, Matuel, Garcia qui va sur lui. Garcia qui essaie de récupérer la balle. Il se fait effacer. Avec Gustavo qui va sur lui. Récupère la balle sur Cavani. Gustavo pour Pastore. Pastore qui décale Ramirez. Ramirez qui met en profondeur pour Rémi. Mais c'est dévié malheureusement par David Luiz. Pastore qui récupère la balle pour Marquinhos. Allez les gars, faut rester concentrés. Marcelo, il faut qu'il rattrape Lucas. Allez, heureusement que ça sort les gars. Restons concentrés. Allez, Ramirez pour Moss. Moss pour Rémi. Rémi pour Negredo. Malheureusement, c'est récupéré. Rémi qui perde la balle. Attention, Mathieu, il faut prendre le charreau. Attention au charreau. Et là, une grosse frappe, moi, je vous le dis. Pastore, qui la dévie pour Zlatan. Attention, Zlatan qui la sauve, qui sauve la sortie de but. Qui revient à l'intérieur, qui tire sur le poteau. On a eu chaud, les gars. Vraiment très, très chaud, là. Zlatan aurait pu nous faire très, très mal, les gars. Restons concentrés jusqu'au bout. Moss pour Rémi. Rémi pour Luiz Gustavo pour Negredo qui voit dans l'intervalle Garcia qui court. Il n'est pas assez rapide comparé à Cavani, mais il centre. Mais c'est pas précis du tout pour Rémi, malheureusement. Allez, Negredo qui met pour Garcia. Garcia qui revient en arrière, qui joue sur Negredo qui décale pour Moss. Mais c'est un mauvais contrôle de Moss, malheureusement. Et c'est récupéré par Marquinhos, les gars. Ah là 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 là. C'est pas possible. Bon, fin de cette première période, ça a pas donné grand chose. 0-0. Les deux équipes se sont jaugées, tout simplement. Zlatan a failli marquer, il a mis un poteau. On se retrouve pour cette deuxième période. On va essayer de gagner, les gars, et d'éviter les prolongations. Il y a Ramirez pour Moss. Moss, c'est ce qu'ils essayent. Enfin, il revient sur Marcelo. Ramirez pour Rémi. Rémi pour Negredo. Negredo qui tente un tir, mais il est tout écrasé, tout pourra, ce petit Negredo. Il n'a pas fait la même frappe que trouve Monaco en l'homme, malheureusement. Allez, Marcelo qui centre pour Pepe. Et malheureusement, Ter Stegen la décale, heureusement. Allez, corner pour l'équipe adverse. Ter Stegen, on compte sur toi pour attraper cette balle. Allez, Ter Stegen, je le sors, le gardien. Voilà, il récupère. Allez. Allez, Juanfran, récupère-nous ça sans faire faute. Ah, il fait faute. Bon, va falloir faire attention maintenant, là, à pas se prendre un coup franc de Zlatan, hein. On se prend un carton jaune, en plus, c'est pas très mérité, mais bon, on a fait la faute. Voilà le petit spray, la petite bombe de l'arbitre, maintenant qu'on peut voir. C'est super cool. Et putain! Ah là 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 là, but de Stambouli. On se prend un but par Stambouli, s'il vous plaît, les gars. Et but de Stambouli. Ah là là, c'est la cata, les gars. Faut rester concentré, surtout sous coup franc. Je le dis, coup pied arrêté. C'est vraiment important de rester concentré. On s'est pris un but casquette de Benjamin Stambouli. La honte, vraiment, les gars. Il faut vraiment qu'on fasse des changements, là. Ça va plus du tout. Allez, on va faire rentrer trois joueurs, les gars. On va pas blaguer. Hein, tout de suite. Cuadrado, Torres et Jordan Ancel. Allez, les gars. On y croit. On peut le faire. On peut revenir à égalité. Pourquoi pas même gagner avant les prolongations, on va le faire. Allez les gars, vous êtes les rentrants. Cuadrado, 5 étoiles de geste technique, il me semble, sauf s'il a perdu son étoile de geste technique et il est 4 étoiles de geste technique, je ne sais plus, mais on est chaud à la patate. Allez les gars, on peut le faire. Allez, restez concentrés. Allez, Marcelo, Ramirez, Marcelo, Moss, qui est fatigué, qui passe. Marcelo, allez Marcelo, le centre. Précision sur Rémi, qui tombe. Allez, tire pour ton entrée, et c'est cadré, mais ce n'était pas assez fort. Allez, ne laissez pas passer. Il faut pas qu'il tire. Bloquez-le. Attention, c'est dangereux. Oh, quelle claquette. Magnifique parade. Vraiment, magnifique parade. Faut le dire. Il a tiré, elle a dégagé ça, les gars. Elle est sortie de gardien. Super. Ter Stegen. Déjà deux arrêts décisifs, là, depuis tout à l'heure. Allez, on est reparti. Marcelo pour Rémi. Ah, c'est trop fort, les gars. Cette balle en profondeur piquée. Allez, Anderson. Rémi.
Faute sur Rémi, les gars. Bah oui, bien sûr, faute là, monsieur l'arbitre. C'était le dernier défenseur, il me semble. Thiago Silva, je crois. Dernier défenseur. Et la biscotte rouge. Et oui, c'est mérité. Biscotte rouge pour Thiago Silva. Et oui, les gars, on va jouer à 11 contre 10. C'est le moment vraiment de faire la différence. Il reste à peine 10 minutes, même pas 7 minutes de jeu. On peut le faire. Ah, ça s'échauffe, ça s'échauffe. Ah là là, vous pouvez voir, les cinématiques sont vraiment mieux faites. Les visages vraiment mieux modelés. Comparé à la dernière, je trouve, c'est vraiment un plus. Allez, on peut marquer. Allez, Rémi. Rémi qui fait la passe à Torres. Torres qui contrôle, qui remet sur Rémi en 1-2. Et Rémi qui marque. Pleine lucarne. Magnifique but de Loïc Rémi. Capitaine Rémi. Premier but sur FIFA 16 avec en mode fut draft. Avec Rémi. Le magnifique 1-2, vous pouvez le voir. Et la frappe instantanée de Rémi. Pleine lucarne. Loïc Rémi, le français. L'ancien lyonnais. Magnifique, les gars. Allez, les gars. Il faut marquer ce deuxième but avant les prolongations. Allez. Bon, nous revoici en direct. Allez, 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 allez. Allez les gars, nous voici en direct, on a fait les prolongations maintenant, première période de la prolongation les gars, allez, on peut le faire, Moss pour Rémi, qui décale Torres qui voit, et qui écarte pour Cuadrado, magnifique Cuadrado, oh là 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 là, but contre son camp, magnifique avec ce magnifique coup du collard, petite danse de Cuadrado, oh, ok les gars, ça fait 2-1, regardez-moi ça, on a écarté pour Cuadrado, allez, coup du foulard de Cuadrado, dévié par le défenseur et but, magnifique but, franchement, faudra le revoir. Cuadrado qui fait le taf, franchement, super fort. Cuadrado, il me plaît vraiment. Allez, on y va, les gars. Allez, Torres, on est à 11 contre 10, on peut le faire, on peut marquer un troisième but. Torres pour Ramirez, Ramirez qui est fatigué, qui centre pour Rémi de la tête et malheureusement, elle passe à côté, les gars. C'était tout près. À la fin de cette première période de la prolongation. Ah non, excusez-moi, c'est un changement, pardon. J'y ai cru. J'ai pensé que c'était fini. Allez, on y est. Mon petit tir, vieux tir. Et là. Voilà. Il a sifflé la fin de la première période de la prolongation. Deuxième période, les gars, on peut le faire, je pense. Il y a 2 ans, on peut marquer un troisième but même pour finir. Et vous proposer du spectacle. Allez, les gars, on se retrouve pour cette deuxième période. Donc. Allez, Marcelo. Marcelo pour Moss. Moss qui est KO. Passe pour Torres. Torres qui efface. Torres, vieux Torres. Allez, Ter Stegen. Rémi qui écarte Torres. Torres tout seul. Et qui rate sa balle. Allez, Torres, cours. Tcha. Torres. Oh. El Nino qui efface. El Nino qui efface. Et corner. C'est Zlatan qui est venu défendre. C'est rare, mais Zlatan est venu défendre. Et oui. Allez, Cuadrado à la baguette. Cuadrado qui centre. Cuadrado pour Mathieu, qui c'est trop fort. Allez. Ramirez pour cette dernière occasion, je pense. Moss qui est complètement KO. Moss qui dépasse pour Rémi. Mais Rémi qui cadre. Et ben non, ça passe à côté, les gars. Et voilà. Et je pense que ça sera la fin. Après ce tir, on aura gagné 2-1, les gars. Donc voilà. Il reste une occasion. Et ben non, c'est la fin, les gars. Voilà, on gagne 2-0. Super content. But de Rémi et but de Cuadrado, les gars. Voilà, deux magnifiques buts, surtout sur la Cuadrado. Je suis super content pour cette démo de FIFA 16 sur le mode FUTDRAFT. Vous pouvez le voir. C'était vraiment super intéressant, super cool. On a appris plein de choses. On a vu beaucoup de nouveautés. Voilà, il y en aura encore plein d'autres dans les prochains épisodes que je vous présenterai. Mais on s'est éclaté. J'espère que vous aussi, les gars. N'oubliez pas que cette vidéo sort vendredi vers 17h, on va dire. Et tout simplement vers 20h, il y aura les 3 joueurs de FIFA 15 à gagner, comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo. Donc n'hésitez pas à venir et regarder les 3 questions et participer pour réussir à gagner un des 3 joueurs qui est Fekir, qui est Fabregas et qui est Godin. Donc voilà les gars, c'était le TheKinXXL, au plaisir comme toujours, avec le ralenti des buts. Voilà, magnifique but, j'espère que cela vous a fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, devant là les gars. C'est FIFA 16, on est chaud la patate, plein de vidéos qui arrivent, merci d'avoir joué à FIFA Draft, les gars, on est chaud la patate, FIFA 16 les gars, cette année ça va être du lourd, allez, tchuss les gars.